C'est quelque chose qui va se passer dans notre vie et qui est programmé. Tout est programmé du bon Dieu. Tout ce que je vis dans ma vie, c'est déjà écrit par Dieu. Il y a une certaine corrélation entre le destin et la fatalité. Je pense que oui, on peut aller contre le destin, mais je pense qu'on va se casser la gueule si on le fait. C'est une manière de se déresponsabiliser. Et le destin de chacun est entre ses mains. Je ne crois pas forcément au destin, mais plutôt à une forme de déterminisme. Ça n'existe pas, le destin. Je vis le jour pour le jour. Pour moi, il n'y a pas vraiment de notion de destin. Parfois, on dirige, on sait où on va, et parfois, on ne sait pas où on va. Voilà. Nos actions dépendent de nos volontés. Je crois au destin. Quelque chose qui est déjà écrit dans le ciel, c'est pour moi. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que le destin Notre vie est-elle écrite à l'avance Que faire alors de notre liberté de choix Et que signifie le libre arbitre euh, Je suis très heureuse de vous proposer un nouveau café philo ce matin autour de la notion euh, du destin. Et pour euh, cette réflexion, je reçois deux philosophes. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Euh, Marc Ballanfa et le père Henri Lot. Alors Marc Ballanfa, vous êtes docteur en philosophie euh, et en histoire des religions, spécialiste des philosophies de l'Inde ancienne. Traducteur de sanskrit, vous enseignez la philosophie en classe préparatoire. Le père Henriot à vos côtés, vous êtes jésuite, philosophe, théologien, professeur de philosophie au Centre Sèvres, qui est un centre jésuite de formation. Vous vous connaissez puisque vous avez enseigné, vous, vous enseignez encore au Centre Sèvres Exactement. quand le père Henriot en était le directeur. Exactement. Nous, voilà. nous sommes connus dans les années 2005, oui, où j'ai commencé. Alors le mot destin, on a entendu ce micro-trottoir qu'on a réalisé partout dans nos territoires, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met finalement un peu ce qui nous arrange, un mot valise. Euh, Est-ce qu'on peut commencer cette émission par euh, donner une définition du destin Est-ce qu'il y a une définition unique déjà euh, je ne pense pas qu'il y ait une définition unique. En même temps, je trouvais que ce que disaient les, les réunionnais, hein, si c'était à la Réunion... Euh, c'était à la Réunion euh, oui, en Polynésie au, et dans la Caraïbe. Euh, reflète assez bien, je pense, que peut, ce qu'on peut trouver dans un esprit humain aujourd'hui à, à ce propos. Hein, le lien, par exemple, entre la fatalité et le destin, on en reparlera. Euh, le fait que c'est une façon aussi de se déresponsabiliser, ça on en, en reparlera aussi, je pense. Donc c'est à la fois un fourre-tout, mais parce que c'est une notion dans laquelle s'imbriquent effectivement un certain nombre de, de fils. Euh, et pour les dénouer, ces fils, il faut être très patient. Alors qu'est-ce que c'est que le destin euh, Si vous voulez, bon, si on part par exemple de, de ce que dit l'Inde, bon, le mot daiva, bon, c'est un mot sanscrit, daiva, qui vient d'une racine qui a un double sens, et ça c'est intéressant. Cette racine ici signifie soit resplendir, et ça a donné Deva les dieux, Soit jouer au dé. C'est-à-dire que ce mot destin est immédiatement en écho avec le hasard. Et je pense qu'on peut difficilement parler de destin si on n'est ne, pas clair aussi par rapport à cette notion de hasard. Parce que le hasard, euh, par exemple, quand, quand on entend les gens, il est souvent soit complètement nié, soit au contraire surévalué. Et je pense que c'est ni l'un ni l'autre. On ne peut ni le nier, ni dire que tout est hasard. Donc il faut essayer de trouver. Comment le hasard peut s'articuler avec le destin Alors, il y a une, déjà une, un synonyme avec la fatalité C'est encore autre chose, si vous voulez. Euh, c'est encore autre chose. Je dirais que pour moi, le point de départ d'une réflexion sur le destin, c'est euh, la condition humaine. Bon. Nous voyons que chacun n'est pas loti de la même façon. Nous n'avons nous pas les mêmes lots au départ. Et je pense que la première interrogation de l'être humain, ça a été de, de se demander pourquoi nous n'avons pas les mêmes lots. Pourquoi certains naissent riches, d'autres naissent dans la misère Pourquoi certains ont-ils des accidents, d'autres n'ont-ils pas Et à partir de cette interrogation qu'on trouve par exemple dans la Bible et qu'on trouve dans les textes indiens les plus anciens, a émergé cette réflexion sur le destin. Pour essayer de savoir effectivement si l'action humaine peut, oui ou non, avoir un rôle par rapport à la série des événements qui nous, qui nous, qui nous vient. Alors, est-ce qu'il y a une définition, euh, là, on, on voit un petit peu votre approche par rapport à la philosophie indienne, votre, votre cœur d'intérêt. Est-ce que, euh, Perlot, est-ce qu'il y a une définition du mot destin pour les croyants Bien, Ce qui ressort assez clairement de la petite enquête hein, que nous avons euh, vue à l'instant, c'est que le destin correspond de manière assez spontanée à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, indépendamment de nous, avons-nous, c'est ça qui doit se réaliser. Un peu, finalement, comme si nous étions des robots programmés. Et le mot de programme euh, est intervenu hein, dans, cette, euh, dans cette enquête. Euh, pour euh, le croyant, il n'y a pas de définition du destin, sinon les définitions habituelles. On se sent cela, c'est écrit. Mais la foi biblique et la foi chrétienne a une toute autre opposition par rapport au destin c'est-à-dire que pour la foi euh, pour la foi euh, notre vie n'est pas écrite elle n'est pas écrite d'avance c'est à nous à l'écrire c'est nous qui l'écrivons mais évidemment nous l'écrivons à partir de ce que nous sommes et ce que nous sommes est conditionné par l'identité du pays, de la culture, du milieu, de notre famille, par notre propre psychologie. Évidemment, c'est par rapport à tout ça qu'il va falloir se battre. Il y a Alors, des si, si rien n'est écrit, euh, euh, souvent les, les, les croyants disent selon, utilisent cette expression selon le plan de Dieu. Sous-entendu, euh, Dieu a un plan pour moi. Sous-entendu encore, Dieu sait, donc Dieu a écrit. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous dites par rapport à cela Eh bien, je dis que, que c'est faux au sens où on pourrait penser que Dieu veut, programme à l'avance ce que je ferai. Non, Dieu m'aime dans ma liberté. Il me confie ma liberté. Mais je sais que cette liberté, elle doit, elle doit s'accorder aux conditions de la vie elle, doit elle va s'accorder à ce qui m'inspire, à ce qui est vital. À ce qui est pour les croyants l'esprit de Jésus, comment s'accorder à l'esprit de Jésus et le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est que bah, c'est que ma vie s'exerce comme comme réponse à un appel, comme réponse à un don qui est qui est un amour. Comment comment vivre cet amour jusqu'au bout Mais le plan de Dieu, ce n'est pas du tout de dire tout ceci doit se réaliser selon voilà ce qui a été enregistré à l'avance. Donc je ne peux pas dire euh, le destin c'est une orientation de Dieu. Non, je ne peux pas dire c'est une orientation de Dieu. Nous ne sommes pas des acteurs qui joueraient un rôle dans une pièce écrite. Et là, on, se con on connaîtrait l'issue de la pièce. Non, nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas ces acteurs. Nous avons une liberté, mais une liberté fragile. Euh, il faut aussi s'entendre à ce qu'on appelle liberté, ça n'est pas n'importe quoi. Bien sûr, alors on va bien évidemment euh, parler de cette liberté de choix, de ce libre arbitre qui nous appartient. Euh, Est-ce que de, 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 pour, pour est que de tout temps l'humanité a eu besoin de se référer à cette force du destin Pour quelles raisons Que ce soit euh, chez les croyants chrétiens hindous, chez les païens grecs euh, euh, D'où vient cette nécessité euh, de se rapprocher de cette force du destin. C'est vrai qu'en qu écoutant le, le Perlot, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, on a, on, on a beau dire au fond aux gens euh, votre vision du destin beaucoup trop fataliste, on sent bien que pourtant les gens reviennent presque euh, malgré eux à cette, à cette idée. Euh, alors, il faudrait sans doute y chercher des racines psychanalytiques, mais ça je pense que ça déborde le, le, le projet d'aujourd'hui. Mais par exemple, en Inde, ce qui est très frappant, c'est que c'est l'épopée, au fond, qui parle le plus du destin. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un récit épique qu'on voit euh, les héros euh, faire appel au destin chaque fois que cela va mal pour eux. C'est-à-dire que chaque fois que le cours des événements euh, devient funeste et apporte des malheurs, alors là, ils disent que c'est le destin. En revanche, quand le cours des événements est plutôt à leur, à leur avantage, là, évidemment, ils disent exactement le contraire. Ah ben non, là, nous y sommes quand même pour quelque chose. Donc, au fond, ça renvoie à ce que je disais au, au départ, c'est-à-dire la condition humaine. Aujourd'hui, euh, le malheur est universellement réparti. Malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de, plus de gens qui sont malheureux que de gens heureux. Et on peut difficilement en vouloir à quelqu'un qui vit dans la misère de se dire, bon, cette misère, elle n'a pas de sens pour moi, c'est pas possible. Donc, une manière de dire qu'elle n'a pas de sens, c'est de dire, c'est la fatalité. Voilà, c'était écrit quelque part. Euh, bon, et Diderot a, a raison de, de se moquer, hein, dans chaque fataliste, hein, c'était écrit sur le grand rouleau. Mais, mais, mais il faut aussi se remettre dans le, le contexte d'une condition humaine qui est, qui est marquée par la misère, par la souffrance, par les inégalités économiques. Et quand quelqu'un... Euh, voit bien qu'il est beaucoup plus mal loti que ses voisins et qu'il ne peut pas l'accepter, qu'il ne peut pas s'y résigner. Une des façons d'échapper à cela, c'est de dire C'est la fatalité, voilà. Je n'y suis pour rien, c'est la fatalité. Ça, ça me tombe dessus. Mmh. Cette résignation. Euh... Je, je oui. sais pas si vous êtes d'accord. C'est frappant. Ben, depuis toujours, les hommes cherchent à expliquer ce qui leur arrive et leurs conditions. Donc on cherche, on cherche des causes. Et donc il y, a, voilà, il y a cette possibilité. Mais dans la culture grecque, évidemment, la présence du destin est très frappante. Enfin, le théâtre grec, par certains côtés, est magnifique, mais aussi désespérant, parce qu'on a l'impression que les, les acteurs, euh, les personnages n'ont vraiment aucune, aucune liberté, aucune, irréversible. aucun jeu, que c'est irréversible. Et pourtant, il y a des évolutions aussi dans le théâtre grec quand on voit Antigone. Antigone pourtant dans ce système de nécessité euh, où tout semble euh, enclenché pour euh, arriver à tel but Antigone se lève et dit non et dit non elle refuse d'obéir euh, aux pas lois une de fatalité. la fatalité c'est pas une fatalité en tout cas il y a de la marge je crois que ce qu'on peut dire, c'est que même, même finalement dans les systèmes dans les, dans les cultures enfin je ne parle pas en général mais au moins dans la Grèce euh, antique et on le voit aussi chez les pères de l'église euh, il y a de la marge et cette marge, si minime soit-elle, ben c'est quand même un espace. Alors, puisque vous parlez évidemment de, 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 de la Grèce antique occidentale, est-ce qu est que la, la, la notion de destin, selon la, notre philosophie occidentale, s'oppose à la notion de destin selon la philosophie indienne euh, ben je, je ne vois pas pourquoi il y aurait nécessairement une opposition. Enfin, Après, il faut, il faut aussi s'entendre sur les définitions que l'on donne Qu'est-ce qu'on appelle le destin dans la philosophie occidentale Qu'est-ce qu'on appelle le destin dans la philosophie indienne euh, Qu'appelle-t-on philo... le destin dans la philosophie euh, indienne Est-ce que la notion d'individu, de, de, le, de, le, le destin individuel, ça existe véritablement ou est-ce que ça fait partie d'un tout Ça existe, ça existe, parce que dans cette épopée donc du Mahabharata, donc à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, euh, on dit bien que l'homme a la possibilité par ses actes de faire dévier la série des événements. Mmh. Donc ça, c'est indubitable. Et justement, et tout, tout ce qui fait la tragédie, c'est ce jeu entre ce que l'homme peut faire et cette série des événements qui lui apparaît comme indépendante de lui. Alors, est-ce que c'est une possibilité d'échapper je vais, je vais utiliser un mot euh, volontairement que vous allez nous, nous redéfinir. Est-ce que c'est une façon d'échapper à son karma alors, le karma, justement, ça, c'est un mot. Euh... Je le dis parce qu'évidemment, oui. aujourd'hui, c'est pareil. Le mot karma, on l'utilise pour dire un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Le karma, si vous voulez, il apparaît vraiment en Inde au VIe siècle avant notre ère, dans des compositions qui s'appellent les Upanishads. Et il apparaît par rapport à un problème c'est le bien et le mal. Ce que je fais doit avoir euh, des répercussions sur mon, mon avenir, sur mon futur. Et euh, inversement, si je suis l'outil de telle manière c'est que sans doute dans une vie antérieure un autre que moi avec lequel je suis lié a fait un certain nombre d'actes dont ma naissance présente est, est le résultat. donc la notion de carman dès le départ c'est une façon de relier le passé le présent et le et futur. Le futur. Ça, C'est très important, mais cette chaîne que vous décrivez, dont on serait un maillon, oui. euh, finalement, qu'elle est, on n'a pas d'autre solution que de la résignation au sens fatalité du terme. On ne peut pas s'en échapper puisqu'on fait partie d'un tout. Où est l'individu? Où est notre destin individuel dans ce, dans ce maillon là? Quelle est la possibilité pour nous de s'en affranchir? Bah, je dirais qu'il y, y a quatre degrés en fait. Il y a quatre degrés dans, dans la conception indienne du, du destin. Euh, si vous partez du bon. Si vous partez du principe qu'il y a des événements et qu'en face de ces événements l'homme essaie par ses actions d'influer sur eux, il y a quatre niveaux. Le premier niveau, c'est de dire ces événements sont indépendants de moi et je ne peux pas influer sur eux. À ce moment-là, c'est le hasard. Bon. Deuxième niveau, ces événements sont, se lient entre eux, sont complètement liés entre eux, mais ils sont indépendants de mes actions et s'imposent à moi de façon aveugle. C'est la fatalité. Troisième niveau. Ces événements sont liés entre eux. Mes événements sont liés, mais je n'arrive pas complètement à influer sur ces événements. Mais du moins, j'arrive à leur donner un sens. Pour moi, c'est proprement le destin. C'est-à-dire, c'est le moment où l'individu prend conscience que ses actions à lui ont un sens. Elles, elles forment une série, et, et elles lui forment une série pour lui, et que les événements qui lui arrivent forment aussi une série, et que tout cela prend un sens. Ça, c'est le destin. Et il y a le quatrième niveau, qui est le niveau ultime, c'est le niveau où l'individu se dit que ces événements euh, ont un sens, et ils ont un sens parce que par ses actions, il arrive à leur donner un sens. Et c'est le moment où, je dirais, l'individu peut dire C'est mon destin. C'est, je pense, le dernier niveau, c'est-à-dire le niveau auquel peu d'entre nous, euh, à mon avis, euh, parviennent, parce que peu de gens peuvent se dire. Voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est mon destin. Et ces bonnes actions, ces actions sociales, euh, oui. morales, je ne sais pas que, quelle terminologie il faut donner. Sociales et morales. Sociales et morales. Oui. Ces actions bonnes oui. vont donc euh, euh, déterminer mon, mon karma ou modifier mon karma. Exactement. D'accord. Bon ben voilà, C'était important de rappeler ce qui est une évidence pour vous, ce qui n'est pas forcément. Vous parlez, on parlait tout à l'heure de la résignation. Dans nos territoires d'outre-mer, les croyants ont une faculté de résignation peut-être plus développée, d'acceptation des choses que dans une société métropolitaine peut-être un peu sécularisée. Et finalement, cette résignation, elle est un peu proche. De certains aspects de la philosophie indienne, est-ce que euh, est, j'allais dire c'est catholiquement correct de se laisser comme ça euh, pénétrer d'influences interculturelles et je pense notamment euh, aux lien très fort avec nos frères hindous qui existent dans certains de nos territoires d'outre-mer. La foi chrétienne s'est toujours constituée en dialogue avec des cultures depuis depuis les origines. Donc, euh, il est tout à fait, tout à fait positif d'être en dialogue avec euh, des courants, des sagesses, euh, des philosophies, des traditions religieuses. Hein, je crois que cela fait partie, cette altérité, hein, ce, ce rapport à l'autre est tout à fait essentiel pour la foi chrétienne, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de, de garder son identité. Notre identité, elle se fait à partir de ce que nous croyons, de ce qui est de ce qui est vital, vital pour nous. Donc, qui dit rencontre dit dialogue, dit aussi dit aussi réciprocité. Est-ce que euh, le, le, les chrétiens, les croyants, ont cette capacité de d'accepter, euh, parce que finalement accepter oui. son destin? Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi le, la première porte euh, ouverte à la, à la liberté Le renoncement serait euh, une porte d'accès à la liberté. Oui. Vous avez employé tout à l'heure le mot résignation. Il est vrai que dans l'histoire euh, du christianisme, il y a pu y avoir des traditions spirituelles un petit peu faciles, euh, invitant à accepter euh, la souffrance euh, comme une valeur en soi, euh, à se résigner. C'est votre condition. Vous êtes né dans le malheur. Mais voilà, c'était la volonté de Dieu sur vous. Euh, il faut l'accepter. Euh, et beaucoup et, et des philosophes et des politiques ont, ont eu raison de, de dénoncer cette. Ce qui est une offense à Dieu finalement, parce que Dieu ne veut pas le malheur, Dieu ne veut pas la souffrance. Donc il y a beaucoup d'illusions et de fautes dans ce soutien à, à l'idée de, de résignation. Non, il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de, 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 de chercher de la, de la liberté, mais en s'entendant bien sur ce qu'est qu la liberté. Alors vous me, vous me tendez une perche justement pour aborder euh, cette question de, 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 de la liberté, du libre arbitre. Euh, on, va, on a choisi en tout cas de, un petit module animé avec des personnages euh, pour euh, parler euh, de cette liberté avec l'exemple de Judas. Est-ce qu'il a euh, euh, délibérément euh, trahi Jésus ou est-ce que c'était euh, inscrit On regarde et puis on en reparle évidemment tout de suite après. Sommes-nous libres de choisir notre destin Prenons un exemple dans la Bible. Judas. A-t-il choisi de trahir Jésus Dieu l'a-t-il prédestiné à être le traître Le Nouveau Testament nous rapporte cette histoire. Trahi par Judas, Jésus va mourir crucifié et ressuscité le troisième jour. Dieu choisit donc Judas pour trahir Jésus et l'envoyer à la mort. Judas a été l'instrument de Dieu et n'a donc pas choisi son destin. Et pourtant, Dieu veut laisser l'homme libre de ses choix. Comment croire alors que Dieu prédestine Judas à trahir Jésus. Aurait-il vendu Jésus pour seulement 30 deniers Il a livré Jésus au grand prêtre, qui eux-mêmes le livrent aux Romains, le condamnant à la crucifixion. Soumis à ses désirs de richesse, Judas ne peut pas agir librement, car pour être libre, il faut que son action se fasse contre ses passions. Peut-on alors affirmer que Judas ait agi sous l'emprise de ses passions pour Judas, Jésus n'a pas l'intention de chasser les Romains d'Israël. Il a donc livré Jésus par déception, car son action et son discours n'étaient pas suffisamment anti-Romains. En agissant selon sa volonté, Judas a œuvré en toute liberté. Il a choisi son destin, donc il n'est pas instrument de Dieu. C'est lorsque l'homme réalise son destin, en agissant au lieu de le subir, qu'il est libre. Judas est un homme libre n'est pas objet du destin. Pris de remords et de culpabilité, Judas se donna la mort, montrant que la liberté a un prix, la responsabilité. Alors Judas, instrument de Dieu ou être libre? Hum, être libre. Être libre. Je crois que il faut partir vraiment de, de la phrase de Saint Paul qui dit que nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Alors évidemment, Judas, c'est une histoire un petit peu, peut-être par certains côtés, mystérieuse. Mais si Jésus l'a choisi, euh, comme les autres, c'est qu'il avait confiance en lui. Et on peut dire qu'il l'a aimé jusqu'au bout, avec le risque lié à la liberté, que l'un des douze fasse euh, autre chose. Et probablement au fil, enfin, je ne suis pas dans les sentiments de, de Jésus, je ne les connais pas comme cela, mais on peut penser que Jésus a senti que Judas, à un moment ou l'autre, décrochait un petit peu, hein, qu'il qu y avait un grand problème et qu'il y avait probablement un grand trouble, un grand trouble en lui. Et c'est ce trouble qui l'a conduit à cela. Mais il y aurait pu avoir une autre, une autre issue. Pierre aussi a été troublé, Pierre aussi a renié, mais Pierre a pleuré. C'est autre chose qui s'est passé. Voilà. et une autre issue et une issue de vie est apparue pour pierre. elle n'est pas apparue pour, pour judas, mais on ne peut pas dire que dieu a voulu que judas trahisse ou qu'il aurait choisi judas pour que son plan se réalise. vous savez, je crois que jésus, vu les réactions suscitées, aurait de toute façon été conduit au golgotha. jésus nous, nous laisse de toute façon le choix. Il nous laisse le choix, mais ce choix, je crois que la voix des philosophes est, est intéressante, hein, parce qu'elle nous dit, nous sommes libres, mais attention à ce qu'est la liberté. La liberté, c'est un, un combat. Parce que, et d'ailleurs c'est Paul qui dit aussi, euh, je ne fais pas ce que je voudrais faire. Hein, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je ne fais pas le bien que je désire. Je désire le bien et je ne le fais pas. C'est tout de même une grande question. Ou bien je le fais un peu, hein, parce qu'il ne faut pas être dans, dans une opposition du blanc, du blanc, du noir. La liberté, c'est cet entre-deux, hein, c'est se ce, ce griser avec plus ou moins de réussite, plus ou moins, moins d'épanouissement. Nous, nous sommes dans un combat entre ce que nous voyons, ce que nous désirerions faire... Et ce que et, nous faisons. Et ce que nous faisons et, et, ce qui, et ce qui travaille en nous. Alors, nous connaître davantage... À nous connaître, euh, identifier euh, ce que sont nos mouvements de, de, de repliement, d'égoïsme. De, de, euh, voilà, tout ça, tout ça importe à ce combat. On parlait tout à l'heure de la résignation avec une connotation un peu négative oui, à ce à terme. Fait, oui. Dans la philosophie indienne, il y a ce, ce mot qui veut dire peut-être un peu la même chose, mais qui a une connotation positive, de, en tout cas plus éclairée, de renoncement. Est-ce que. Ah oui, le renoncement. Est-ce que ce renoncement. Euh, alors, Conduit, a... à la liba... oui. Conduit à la liberté, et rejoint aussi finalement ce combat d'atteinte de, 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 à quelque chose qui ce est renoncement. Alors oui, mais c'est dans un autre contexte, dans le contexte d'un choix de vie. C'est devenir un renonçant. C'est dans ce contexte-là. C'est-à-dire mmh. dans le contexte pas dans le la, contexte la de la, la résignation. Voilà. Et, et ce mot de renoncement, d'ailleurs en français, est systématiquement, enfin mal compris par les gens, parce qu'au fond, si on prend le sens euh, et latin du terme, le sens littéral, ça veut dire une nouvelle euh, annonce renoncement, c'est annoncer à nouveau quelque chose de nouveau. C'est pas euh, dire non au monde, c'est pas se couper du monde. Or systématiquement, les locuteurs français, quand ils utilisent le mot renoncement, n'entendent que le nom qui est au milieu de ce mot mais euh, n'entendent ne, pas le, le, le carré, voilà donc le refiare latin le, le, qui le... signifie être le messager. Donc voilà, c'est donc une fausse piste qui est, est, qu est, qu est la piste, mienne, de, de vouloir faire une comparaison entre... Le résine... messager de quelque chose de, de, de nouveau qui euh, va venir. Alors On, on parle évidemment de, de, de ce combat de la liberté, euh, comment euh, s'inscrit-il dans la, dans, dans la philosophie indienne, ce, ce libre arbitre, cette possibilité que, que l'on a d'être maître de son destin et donc d'avoir le choix Là où je rejoins le, le perlot, c'est qu'il faut partir de l'agir. C'est-à-dire de l'action. Act voilà, de l'action. Karman, ça signifie l'action. Ça signifie d'abord le sacrifice, dans l'Inde très très ancienne des Vedas, et ça, ça signifie ensuite, dans l'Inde classique, l'action morale, sociale. Bon, Mais que disent euh, les philosophes indiens Ils disent que l'homme est c'est-à-dire, et pour autant qu'il arrive à insérer son action dans la série des événements. Je toute la difficulté, elle est là, et je reviens à ce que je disais au départ. Comme nous ne sommes pas tous lotis de la même manière, on voit bien que, visiblement, il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité, Amartya Sen dirait de capacité, pour insérer leurs propres actions dans le cours des événements. Au contraire, vous avez des, des, des individus qui se battent toute leur vie pour essayer d'insérer leur vie dans le cours des événements et qui n'y parviennent pas. Donc ça veut dire qu'on est inégaux face à ce combat de la liberté, si j'essaie je, de résumer ce que vous venez de nous dire. Parce Où que nous ne sommes pas tous euh, lotis de la même manière. Euh, on le dit bien aussi dans la Bible. Pourquoi oh, certains ont-ils des maladies, pourquoi d'autres n'en ont-ils jamais Pourquoi celui-ci fait-il fortune Pourquoi celui-ci est-il pauvre Là, c'est l'interrogation de l'homme, euh, je dirais, la plus, la plus simple à laquelle il faut essayer de répondre. Et la foi, quelle qu'elle soit, une foi chez nos frères hindous, chez les chrétiens, c'est elle qui nous aide à, à faire ce... ce cheminement, ce combat. Le destin est évoqué invo... généralement lorsqu'on vit une crise, un drame. Oui. Et il est souvent lié à la question du mal. Oui. Hein euh, lorsque, lorsque tout va bien, on ne va pas parler de destin parce que finalement, euh, on ne va pas chercher d'explication. Mmh. C'est quand ça va mal. Quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, quand je suis dans une situation excessive que je ne peux pas comprendre, parce qu'en effet je ne vois pas de cause immédiate ou je ne sais pas, c'est là que je vais parler de destin. Et là, c'est là que la liberté, à nouveau, euh, va, euh, va euh, intervenir. Euh, Qu'est-ce que je fais Ou je renonce plutôt alors à comprendre, à, à tenir une parole, ou bien est-ce que je vais consentir à quelque chose Est-ce que je vais consentir à l'avenir est-ce que je vais consentir à l'avenir Se référer au destin, je crois, c'est souvent revenir sur le passé, revenir à une cellule explicative, euh, ancienne. Mais consentir à l'avenir, ça c'est le mouvement de la foi. C'est croire que je peux être relevé, euh, même en comptant sur mes propres ressources, mais que je peux être relevé par un autre. Et ça c'est le salut, c'est la foi, c'est le mouvement de la résurrection. Comment ma vie peut-elle être relevée ressuscité, euh, transfiguré, hein, quel que soit le, le terme que l'on emploie. Mais je prends un exemple, malheureusement qui arrive et qui parlera aussi dans le, le cœur de, de, des gens qui nous regardent, euh, l'accident, la perte d'un enfant, des choses euh, monstrueuses qui ne devraient pas arriver. Bien On sûr. survit en disant euh, même même si c'est une façon de se déresponsabiliser, même s'il n'y a pas de, responsa de responsabilité, c'est le destin. Mais oui, Le oui. destin ne permettra pas de vivre. Croire en un destin ne permettra pas de vivre. Que ce qui me permettra de vivre, ce ne sera pas de me réfugier derrière une explication toute faite ce sera de me rencontrer moi-même de façon nouvelle. Et par là, ce que j'appelle consentir à, à l'avenir, c'est-à-dire consentir à quelque chose de neuf qui peut, qui peut m'arriver initier des, des chemins nouveaux dans ma vie. Voilà, c'est. C'est là que, que ma liberté, à nouveau, je crois, pourra, pourra avoir du sens, se tourner face à l'avenir. On arrive à la fin de cette émission mmh. déjà, donc j'espère que vos propos ont permis en tout cas à ceux qui ont suivi cette émission de réfléchir à cette notion du destin euh, dans notre foi euh, ou pas, euh, quelle qu qu'elle qu soit. Il y a une tradition dans cette émission. Je pose toujours la même question à nos invités. Si vous aviez euh, la possibilité de rencontrer Dieu là, maintenant, tout de suite sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise, Monsieur Balanfa pourquoi certains sont-ils moins bien lotis que d'autres Et vous, Père euh, Lowe ben, Je crois qu'il pourrait me rappeler notre vocation ou ma vocation si nous sommes appelés à la liberté. Merci à tous les deux en tout cas pour ce café philo. Un grand merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Un merci particulier à Maxime. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre temps de réflexion. D'ici là, continuons à être des êtres de liberté. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.